Alors, ce qui me passionne, c'est de travailler au service du beau. C'est-à-dire, on essaie de faire des ouvrages qui vont durer, qui vont marquer leur époque ou leur région. Donc, travailler sur le patrimoine bâti, c'est vraiment un terrain de jeu passionnant. Alors, notre objectif, c'est que nos clients soient fiers d'avoir fait appel à nous. Mes collaborateurs sont des artisans. Ce que j'attends d'eux, c'est qu'ils soient capables de travailler en toute autonomie, en liberté, en solidarité également, et qu'ils aient un haut niveau d'exigence dans leur travail, pour eux-mêmes, pour leurs collègues et pour l'ensemble des réalisations. Nous sommes l'entreprise du patrimoine vivant. Nous venons de rentrer au groupement des entreprises des monuments historiques. Nous avons un peu plus de 120 ans. L'idée, c'est de continuer le maillon. Et pour ça, il faut nourrir le savoir-faire. Donc pour nourrir le savoir-faire, il faut trouver des beaux projets. Il faut les faire rayonner, ces projets. Et il faut transmettre. Donc toute mise en valeur de ce savoir-faire-là est extrêmement importante pour nous. Si je devais décrire notre entreprise en deux mots, pour moi, ce serait l'engagement. Nous sommes engagés envers nos clients, envers le patrimoine, envers nos réalisations. Nous sommes membres fondateurs du Club des mécènes du patrimoine en Bretagne, par exemple. Et le deuxième mot qui me vient à l'esprit, c'est l'exigence. L'exigence d'un travail de qualité, irréprochable et durable.